Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. 13h53 sur Sud Radio, l'heure pour André Berkov de recevoir aujourd'hui d'un face-à-face exceptionnel avec Eugénie Bastier, la journaliste au Figaro et auteur de ce nouveau livre, La dictature des ressentis, sauver la liberté de penser. C'est publié aux éditions Plomb. Bonjour Eugénie Bastier. Bonjour. Alors Eugénie Bastier, effectivement, et vous avez d'ailleurs fait une introduction sur sauver la liberté de penser. Effectivement, on peut se poser la question aujourd'hui si c'est SOS ou si on est déjà dans le Titanic et l'iceberg est déjà dans le Titanic. On ne sait pas, on va en parler. Vous avez écrit un livre, vous avez rassemblé vos chroniques du Figaro. Et c'est très intéressant parce que vous avez fait une espèce d'inventaire, the whole pictures comme disent les Américains, mais c'est vrai, du tableau de ce qui se passe aujourd'hui. Et on voit très bien, et on va en parler, le fil rouge. Et quel est le fil rouge? Parce qu'on va parler du fil rouge, parce que ce que vous dites sur la déconstruction, sur le wokisme, sur effectivement du passé faisons table rase, etc., etc., on voit très bien que ça se relie. Et on va parler des armes de la parole, parce qu'en ce moment, les armes de la parole cèdent beaucoup à la parole des armes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et vous citez beaucoup de gens, mais d'abord, au fond, Eugénie Bastier, vous, comment dirais-je? Votre parti pris, au bon sens ou au sens littéral du terme, c'est quoi? Parti pris, j'essaie de ne pas en avoir, même si évidemment... Parti, je parle d'un... Oui, pas de parti politique, hein, d'un parti général. D'où parles-tu, camarade? Voilà. Moi, je suis plutôt quelqu'un... Je me définirais plutôt comme conservatrice, pas réactionnaire, pas d'extrême droite, comme ce mot qui ne veut plus rien dire et qui a collé à tout et n'importe qui. Réactionnaire aussi, ça ne veut plus rien dire. Moi, je me définirais comme conservatrice. C'est pas un mot qui a beaucoup de popularité en France, puisqu'on est le pays... du progrès, de la révolution, de l'abstraction. On aime la révolution, on aime les grands mots, on s'enivre un peu justement de ce progrès, et les conservateurs sont assez mal vus en France, tout simplement parce qu'ils ont été les perdants de l'histoire. Et donc c'est un mot qui aujourd'hui est un peu infamant dans notre pays, mais moi je le reprends. Vous le revendiquez? Je le revendique, ouais. Et je dis ça me va, enfin c'est pas, je trouve pas ça insultant, parce que pour moi être conservateur, c'est vouloir préserver ce qui a prouvé son efficacité dans le temps, ce qu'on appelle pour moi la tradition, c'est ce qui a traversé le temps, parce que c'était une solution trouvée qui a traversé le temps, et j'essaie de déconstruire les déconstructeurs qui ont cet orgueil de dire voilà, tout ce qui nous a, tout ce qu'on a hérité, la tradition, ce qui est donné, ce qu'on n'a pas construit soi-même, eh bien il faudrait forcément le balayer, le critiquer, le déconstruire, le jeter à la poubelle. Et donc je me bats contre ça, parce que je pense qu'il y a beaucoup, il est urgent de préserver ce qui peut encore être préservé, parce que beaucoup de choses malheureusement ont été détruites. C'est vrai. Et puis en ce moment on voit, ça a été un mot d'ordre, et c'est un sacré mot d'ordre du passé faisant table rase. Exactement. On va reprendre tranquillement après les informations et effectivement faire l'inventaire de cette déconstruction et comment effectivement on peut s'y opposer. Et on prendra toutes vos réactions au 0826 300 300 et toutes vos interrogations pour Eugénie Bastier. À tout de suite. On continue ce face-à-face aujourd'hui avec Eugénie Bastier qui vient nous présenter son nouveau livre La dictature des ressentis, sauver la liberté de penser. C'est publié chez Plomb. Alors Eugénie Bastier, vous parlez justement de la culture du relativisme. Oui. Et ça me rappelle, je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une phrase qui... Léo Strauss, non pas Claude Lévi-Strauss, mais Léo Strauss qui disait « Si toutes les cultures se valent, alors le cannibalisme n'est plus qu'une question de goût ». Exactement. Et Léo Strauss avec pour disciple Alan Bloom, qui moi m'a beaucoup inspiré, notamment son chef-d'œuvre L'âme désarmée, qui est un magnifique livre qui a été publié en 1987. Et en fait, il décrit les prémices de ce qui deviendra le wokisme 20 ans plus tard, c'est-à-dire la manière dont les universités américaines sont colonisées à la fois par le relativisme, c'est-à-dire que tout se vaut, la culpabilité, c'est-à-dire de la culture occidentale. Déjà en 87. Ouais, bien sûr, déjà en 87. Tout y est, tout y est. Le féminisme militant, il décrit tout ça. Et donc, lui dit que le problème des universités, c'est qu'au lieu d'apprendre dans les universités la vérité, on leur a appris le relativisme, c'est-à-dire que tout se vaut, ouais. Que finalement l'Occident, les valeurs occidentales, les valeurs de même de liberté que nous avons promues pendant des années, ben, tout ça en fait est un produit particulier d'une culture qui n'est pas si bien que ça, qui est la culture occidentale, qui a fait énormément de mal par ailleurs. Et donc on instille en fait le relativisme dans les cerveaux de génération en génération. Et enfin, pour quelqu'un qui est de ma génération, par exemple, le premier geste, ce qu'on nous a appris à l'école, c'est que il n'y avait pas de valeur universelle, que la vérité c'est n'existait ce qu'on pas. Vous a appris. Bien sûr, ouais. C'est ce geste de la déconstruction, c'est-à-dire qu'il faut tout critiquer, qu'il n'y a rien, que le savoir, que tout ce qu'on a reçu, il faut lui apposer un regard critique.
Et donc, ce qui caractérise, et c'est pour ça que j'ai parlé de dictature des ressentis, c'est à la fois donc le relativisme, chacun a son ressenti, chacun a sa vérité, il n'y a pas de vérité universelle. Et sa vérité, elle vaut celle des autres. Exactement. Ouais. Et dictature, parce qu'on pourrait se dire, le relativisme, ça conduit à la tolérance, comme du type montaignien, ben, tout le monde, s'il n'y a pas de vérité, chacun peut se tolérer. Sauf que c'est un relativisme qui conduit à l'intolérance, et c'est ça, à mon avis, la caractéristique. Pourquoi ? Alors, en quoi et comment ce relativisme conduit à l'intolérance ? Et parce qu'en fait, chacun dit, j'ai ma vérité, et je ne suis supporte pas qu'on vienne la remettre en question, qu'on vienne la remettre en cause, et d'entendre une autre vérité dans le débat public et en soi considérée comme une offense, comme une blessure. Et donc on s'enferme, chacun s'enferme dans son ressenti, dans son ressentiment, dans sa communauté identitaire, dans son silo de savoir, de sens. Et donc c'est un relativisme tribal en fait. Est considéré presque comme un ennemi, comme un adversaire. En fait, c'est le retour du tribalisme dans nos sociétés démocratiques. C'est-à-dire qu'on pensait avec la démocratie en avoir fini avec l'esprit du clan, de la tribu. En fait, on voit qu'il revient. Il y a un retour de l'archaïque, mais qui s'écrit non pas sur le langage du conservatisme, mais le langage du progressisme. C'est une sorte de tribalisme progressiste, un mélange entre effectivement une mentalité de clan et extrêmement primitive, archaïque, et le langage du progressisme, le progrès, le féminisme, l'antiracisme, l'inclusivité, etc. Et donc c'est ça qui me paraît très inquiétant, parce que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui vous dit que ce que vous dites le blesse, d'avoir un débat avec lui en fait. Le sectarisme a toujours existé. Quand Sartre dit tout anticommuniste est un chien, on ne peut pas dire qu'il soit très ouvert d'esprit. Mais quand tu dis en tuant l'Européen, vous faites deux libres. L'Européen qui est mort, mais libre, et l'exploité qui est libre. Exactement. Donc il y avait une violence dans le débat à cette époque-là, très très forte. Mais Sartre ne dit pas tout anticommunisme blesse et il est communistophobe. Il ne dit pas ça. Et donc il exclut, mais au nom du logo, au nom de la raison, au nom de sa vision idéologique des choses, mais pas au nom de sa blessure, de son pathos. Et je crois que c'est ça qui est difficile aujourd'hui. C'est quand on vous dit, par exemple, quand vous exprimez des objections sur la PMA pour toutes, par exemple, comme l'a fait Sylviana Gazinski, et qu'on vous traite immédiatement d'homophobe ou de transphobe quand vous critiquez la transition de genre chez les enfants, ou d'islamophobe parce que vous critiquez l'islamisme, ou etc., etc., et bien, ou de raciste parce que vous voulez maîtriser les flux migratoires, et bien, il y a rien il y a pas d'argument à répondre, parce qu'on est immédiatement dans la passion, c'est-à-dire si vous êtes dans la haine, vous êtes dans la peur, et il est très difficile d'avoir un débat argumenté. Ce sont des anathèmes qui excluent toute possibilité même de débat. Oui, et c'est intéressant parce que ça me fait penser en Amérique, comme vous savez, dans les universités américaines, il y a les safe spaces. Exactement. Où justement vous avez des espaces protégés, où vous êtes sûr de ne rencontrer aucun contradicteur. Oui. Ce qui est la mort de l'esprit critique, c'est la mort de la disputatio. Oui, oui. C'est la mort du frottis des idées, comme vous parlez des cerveaux. Il y a un avocat américain, deux intellectuels américains, Jonathan Haidt et Luke Yanoff, qui ont publié un livre il y a quelques années qui s'appelle Coddling the American Mind, qui voulait dire le chouchoutage de l'âme américaine, et qui montrait à quel point il y avait une génération sur les campus américains qui n'avait connu aucune souffrance, aucune tragédie historique, qui n'avait pas été dans la guerre, etc., et qui était surprotégée par leurs parents, effectivement des enfants un peu rois, la génération enfant roi. Et qui avait développé une hypersensibilité qui faisait qu'il en fait, il prenait vraiment même l'expression d'opinion dans l'espace public pour des agressions psychiques. Et en fait, le nombre de détresses psychiques sur ces campus avec des étudiants qui sont véritablement dans un mal-être profond et qui par exemple ne supportent pas même qu'on cite un auteur dans le débat public qu'ils considèrent comme raciste, islamophobe, etc. Ouais. Pour eux, c'est en soi même l'énonciation d'un texte est une agression physique. C'est même pas mental, c'est physique, c'est-à-dire qu'ils sont psychiquement atteints. Et ça, c'est effectivement gravissime, parce que c'est la fin du débat. Alors, le wokisme et ses avatars sont véritablement une pathologie d'enfants gâtés occidentaux. Mais est-ce que ce n'est pas quand même, en fait, au-delà de ça, un totalitarisme ? C'est un totalitarisme. Alors, moi, j'aime pas trop le mot totalitarisme, parce que c'est comme le mot fascisme qu'on emploie à tort à travers. Oui, mot valise. Il y a une tentation totalitaire. Je veux dire par là que si vous dites que celui qui s'il dit il n'est pas d'accord avec moi, il me violente, et ben quelque part je le violente aussi, puisque je l'empêche de parler.
Non, c'est, moi je préfère parler d'une, c'est le règne de l'idéologie, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de Karl Popper définissait la différence entre une démarche scientifique et une démarche idéologique, c'était que la démarche scientifique elle peut être réfutée par des arguments. Bien sûr. La démarche idéologique elle peut pas. Par exemple, si vous êtes contre le communisme, parce que vous êtes un bourgeois. Si vous êtes contre le post-colonialisme, ben c'est que vous êtes un colon. Et il y a ça en fait, c'est-à-dire on peut pas la réfuter. C'est-à-dire que si vous critiquez le féminisme, ah ben c'est la preuve qu'on a besoin d'encore plus de féminisme puisqu'on est critiqué. Si vous, par exemple, c'est le concept de fragilité blanche, vous savez, d'une auteure américaine, qui explique en fait que les gens, les blancs, entre guillemets, les occidentaux, qui critiquent cette forme d'antiracisme complètement folle, qui voit du racisme partout, eh bien, c'est parce qu'ils sont en fait animés par la fragilité blanche. Comme ils ont peur de perdre leurs privilèges, eh bien, ils vont se mettre à critiquer. Et donc là, en fait, là, on est finalement dans une forme de tentation totalitaire, dans le sens où on peut même pas s'échapper du débat, puisque tout ce qu'on dit est argumenté contre vous, soi. Vous, Jenny Bastier, vous êtes une suprémaciste blanche. Pour eux, dans les têtes de ces gens-là, effectivement, critiquer leur position, c'est la preuve qu'ils ont raison. Donc c'est donc à partir de là, on peut plus débattre. Ouais, c'est un raisonnement totalement circulaire. Et vous citez, alors moi j'aimerais dans votre livre, enfin vous avez écrit quelques papiers assez je dirais assez virulent et assez drôle sur par exemple, pour ne prendre que ça, Ouya Boutelja, Geoffroy de la Ganderie, Paul Preciado, là le trans, mais il est, oui c'est ça, c'est ça, il est, c'est un, et à un moment donné, trans, je sais pas comment on appelle ça, oui l'homme, enfin oui l'homme trans, etc. Et les déclarations qu'il a, j'ai pas lu son livre mais j'ai lu votre chronique, et je veux dire que c'est assez hallucinant quand même, parce que ça arrive à des points, je sais pas si vous pouvez donner des exemples. Oui, parce que alors Paul B. Preciado, c'est une femme qui s'est transformée en homme. Ça, c'est une femme au départ. Voilà, c'est une femme au départ qui s'est transformée en homme. Mais sauf qu'en fait, moi je n'ai rien contre la transition de genre chez l'adulte, même si je pense qu'elle est impossible. C'est-à-dire qu'on ne passe jamais totalement d'un sexe à l'autre. L'homme ne peut pas tomber enceinte. Mais voilà, si vous dites ça, vous êtes déjà. Oui, mais c'est pas possible scientifiquement. On ne passe pas d'un sexe à l'autre. Mais bon, si ces deux gens ont envie de se faire appeler différemment, s'ils se sentent pas bien, et bon, très bien. Sauf que Paul Preciado va beaucoup plus loin, puisqu'il fait de son propre cas l'emblème d'un changement civilisationnel, en disant nous allons basculer dans la civilisation du trans, et en fait le trans est l'avant-garde du progrès en marche, et en fait il bouleverse les repères, parce que nous vivons, enfin il faut tout casser là, il faut casser l'hétéronormativité, c'est-à-dire l'idée même qu'il y aurait une hétérosexualité qui pour eux est une construction sociale. Elle n'existe sauf pas, qu'en fait il y a un paradoxe, parce que pourquoi, si l'hétérosexualité n'existe pas, si la binarité des sexes n'existe pas, pourquoi quand on est une femme vouloir devenir un homme et donc vous se mettre des attributs masculins? On pourrait dire, en changeant même de sexe, il prouve bien qu'il y a une polarisation entre deux sexes. Même, voilà. Ouais. Et ça tourne en rond, parce qu'en réalité, si on change de sexe, c'est bien qu'on croit qu'il y a un autre sexe. Et Paul Preciado met un paquet entre ses jambes, mais ce qu'on appelle un paquet, c'est-à-dire une poche entre ses jambes pour faire comme s'il avait un sexe, c'est bien qu'il considère que c'est un attribut qui appartient au sexe opposé. Donc, mais tout ça n'est pas forcément qu'une construction sociale. Et donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais on arrive à des absurdités. Mais alors, justement, je dis Bastier, est-ce que tout ça n'est pas, je dirais presque des abolis bibelots d'inanité sonore, comme disait un certain Mallarmé. Mais est-ce que franchement, est-ce qu'il y a une véritable influence dans les universités, dans les écoles, etc., où ça reste quand même une espèce de prurite minoritaire, aujourd'hui, je parle, aussi bien en France, pense, en Europe qu'en Amérique. Je pense que c'est minoritaire, mais que vous savez aussi bien que moi que ce sont les minorités qui changent les choses, et que souvent les minorités idéologiques arrivent à aboutir à des vrais changements culturels. En mai 68, c'était aussi une minorité. Et je pense que ça a des vrais effets, notamment sur la jeunesse. Il y a un sondage qui était paru dans Marianne, je crois, il y a quelques années, un ou deux ans, qui montrait que, par exemple, 20% des jeunes entre 18 et 24 ans disaient ne se tenir ni à un sexe ni à un autre, c'est quand même pas rien. C'est une influence. C'est un sondage, mais enfin quand même. Oui, non, mais c'est une influence, je pense. C'est une partie de la jeunesse qui ne sait plus d'ailleurs très bien où elle en est. C'est un moment d'ailleurs dans sa sexualité où on est
on est souvent bouleversé et ces discours, moi, je les trouve dangereux parce que ils font croire à des choses qui sont fausses, notamment l'idée qu'on pourrait changer de sexe, enfin totalement, et qu'on pourrait vraiment qu'il y aurait une sorte de qu'on pourrait se choisir finalement son identité à la carte. Et c'est ça que j'appelle aussi dictature des ressentis, c'est-à-dire il n'y a plus de réel, il n'y a plus de fait, il n'y a plus d'objectivité. C'est ce que je ressens dans mon intériorité qui dit la vérité que de mon être. Et donc je pense que ces discours sont dangereux parce que ils détruisent tous les repères sociaux et nous avons besoin de repères, en tout cas surtout quand on est jeune, quitte à les critiquer d'ailleurs plus tard, mais on peut pas. Généraliser la déconstruction sans que c'est des effets néfastes dans la société. Et au fond, on va en reparler parce qu'on va parler pas seulement des histoires de genre et de sexe, mais des histoires aussi d'héritage, de bourdieuserie. On va parler de Bourdieu et ses bourdisciples. À tout de suite. Alors Eugénie Bastier, dans votre livre, il y a vous parlez de quelqu'un, et vous avez retenu, ça vous a frappé, c'est avancer en arrière. C'était effectivement, c'est tiré de... C'est Kolakowski. Un penseur polonais. C'est un intellectuel polonais, oui, un très bel écrivain, et qui était dans un... Dans un tramway, on lui disait ça. Et quand vous dites avancer en arrière, ça veut dire effectivement, arrêtons cette, du passé, faisons table rase, quoi. C'est ça un peu. Oui, Lesdé Kolakowski écrit ça dans un article. Il dit j'étais frappé en étant dans le tramway d'entendre. Entendre cette phrase complètement paradoxale, avancer vers l'arrière, s'il vous plaît. Il dit, ça devrait être le mot d'ordre de notre civilisation, parce que effectivement, nous avons eu cette tentation de la table rase. On l'a eu plusieurs fois dans notre histoire. On l'a eu, je pense, pendant la Révolution française. On l'a eu pendant mai 68, et on l'a aujourd'hui avec cette troisième vague woke, j'allais dire. Et je pense qu'il faut y résister parce que. On trouve dans le passé, ce mépris en fait qu'on a pour les institutions du passé, comme si elles étaient complètement dépassées, comme si elles avaient été inventées, et que nous serions plus intelligents, qu'il y aurait une sorte de progression linéaire de l'humanité vers toujours plus d'intelligence, toujours plus de raffinement, toujours plus de clairvoyance. Je la crois tout à fait fausse. Évidemment qu'il y a eu des progrès indéniables, mais je ne crois pas du tout. Bien sûr, odieux, mais évidemment. Mais par exemple, moi, c'est une question qui me passionne, c'est la question du féminisme. L'idée vraiment que les femmes seraient passées de l'ombre à la lumière dans les années 60 grâce à la pilule et à l'avortement, et qu'avant leur histoire aurait été jalonnée de, enfin, ça n'aurait été que monstruosité, un supplice sans fin depuis les cavernes, c'est absolument faux. Il y a eu des périodes dans l'histoire où la femme était plus ou moins mise en avant. Par exemple, au Moyen Âge, elle avait une place considérable. Elle en a perdu après la Révolution française, justement, qui était une révolution très masculine, qui a reproché au salon d'avoir donné trop de place au salon aristocratique, d'avoir donné trop de place aux femmes. Donc il y a eu un retour en arrière à ce moment-là. Après, sous Napoléon, évidemment, il y a aussi un retour en arrière concernant les femmes. Tout le long du 19e siècle. Après, il y a eu un retour du progrès. Enfin, tout ça n'est pas linéaire. Il y a des et souvent les gens, les progressistes ont une idéologie derrière la tête qui les empêche de voir le réel parce que ils sont par exemple obsédés par les combats du passé. Justement, paradoxalement, ils croient par exemple que le patriarcat est toujours tout puissant en Occident. Ils ne voient pas, ils combattent les fantômes du passé. Ils ne voient pas ceux du présent. Ils ne voient pas les nouvelles menaces, par exemple, qui se posent aux femmes aujourd'hui. Ils ne sont obsédés par les vieilles menaces des années 50, 60. Et donc ils n'arrivent pas à voir le réel. Sur l'antisémitisme, c'est la même chose. On est obsédé par le vieil antisémitisme d'extrême droite. On ne voit pas l'antisémitisme musulman. En tout cas, on ne le nomme pas. Mais Yael Braun-Pivet ne sait pas d'où il vient le carburant de l'antisémitisme. Oui, justement, c'était intéressant ce que vous avez passé tout à l'heure parce que elle répond. On lui demande de nommer l'antisémitisme et tout de suite, justement, elle est dans ce que j'appellerais la dictature des ressentis puisqu'elle dit plutôt que de nommer le réel, elle dit moi j'en étais victime. Ouais, donc effectivement, ça. Comme si ça pouvait clore le débat, que le ressent son propre. C'est exemplaire. Au lieu de dire, écoutez, oui, il y a des raisons. Voilà, elle se cache derrière le fait que, ce qui est vrai d'ailleurs, elle en a sans doute été victime et je ne le nie pas du tout. Mais disons que c'est une manière d'échapper à la question en se réfugiant derrière la victimisation, comme le font beaucoup de gens. Elle est véritablement victime, donc c'est pas de la victimisation, mais de se réfugier derrière l'idée, voilà, mon ressenti, plutôt que de nommer la réalité. Qu'est-ce que c'est que cet antisémitisme aujourd'hui en France? En quoi est-il différent de celui qui a touché les juifs de France dans le passé, voir, vous savez la phrase de Peggy, il faut toujours dire ce que l'on voit, mais ce qui est encore plus difficile, c'est de voir ce que l'on voit. Et aujourd'hui, effectivement, il y a des gens qui ne veulent pas voir ce qu'ils voient. Et c'est très, moi, cette polémique sur le Rassemblement National à la manifestation,
pour moi, est exemplaire de ça. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans leurs œillères idéologiques. Ils voudraient que Marine Le Pen reste antisémite, qu'elle reste d'extrême droite. Ils en ont besoin. Pour l'éternité. Voilà. Pour l'éternité. Et au contraire, plutôt que se réjouir, comme l'a très bien dit d'ailleurs Serge Klarsfeld dans une interview au Figaro qu'il m'a donnée, il disait, moi, je me réjouis que le RN soit plus antisémite. Enfin, c'est plutôt bonne nouvelle. Ce serait plutôt une bonne nouvelle, oui. Voilà. Après, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les critiquer sur d'autres sujets, mais bien là-dessus, sûr. Effectivement... En fait, est-ce que ce n'est pas l'essentialisation dans tout ? C'est-à-dire, une fois que vous avez une posture, vous avez une étiquette, j'ai dit, il faut la garder, c'est fini. Ouais. Enfin, il faut la garder. On vous la colle, le sceau de la famille pour certains, le sceau de la gloire pour d'autres, et puis vous n'avez pas le droit d'en déroger. Bien sûr, et juste, moi, ce que je trouve paradoxal, c'est que la lutte contre l'antiracisme, la lutte contre l'antisémitisme, c'est précisément le refus de l'essentialisme, le refus de l'assignation aux origines, et les mêmes qui passent leur temps, effectivement, à défendre ces idées-là, assignent les gens pour toujours aux origines de leurs parents, Marine Le Pen, par exemple, vous colle une étiquette, vous essentialise pour la vie, en disant, vous êtes d'extrême droite, et ce sera pour la vie. Donc, en fait, il y a une essentialisation, un refus de l'essentialisation à deux vitesses. Et qui me semble, assez, assez paradoxal. C'est vrai. On va continuer d'en parler peut-être après une petite pause. Oui, et on prendra toutes vos questions. 0826 300 300. Eugénie Bastier est là pour vous répondre. À tout de suite sur Sud Radio. Et nous sommes toujours avec Eugénie Bastier, la dictature des ressentis. Sauver la liberté de penser, effectivement, liberté de penser, franchement, qui a besoin d'être non seulement sauvée, mais surtout encouragée, et c'est ce qu'on essaye de faire, hein. On est un certain nombre. On a parlé d'un certain nombre de chapitres, on voit toujours cette espèce d'essentialisation, cette espèce d'étiquette qu'on cherche à mettre, et on dit, vous êtes condamné, vous êtes assigné à résidence idéologique ou culturelle ou autre, etc. Et c'est vrai un peu aussi sur les polémiques sur l'immigration, je crois. C'est un peu la même démarche, non ? Oui, pendant longtemps, je pense que on n'a pas voulu se saisir de ce sujet, de peur de faire le jeu de l'extrême droite. Faire le jeu de, voilà une chose très importante. Oui. Alors que ce qui est intéressant, c'est que je vois pas de fait qu'on aurait tué pour ne pas faire le jeu de l'extrême gauche. On fait toujours, on tait surtout des choses pour pas faire le jeu de l'extrême droite, mais l'inverse n'est pas vrai. Et effectivement, je pense cette question a été diabolisée en France pendant des années parce que c'est aussi de la faute, je pense, de Jean-Marie Le Pen qui a, par ses outrances, stérilisé une partie de... Regardez comment a été reçu Renaud Camus, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais enfin, je veux dire, quand il a sorti Le Grand Remplacement, c'était, on peut en discuter, moi je ne dis pas qu'il a raison. Je pense d'ailleurs que l'ostracisme que subit Renaud Camus est en grande partie injuste, parce qu'il a été complètement... renvoyé de la vie publique, je suis pas du tout d'accord avec tout ce qu'il dit, et je pense qu'il est tout rancier sur plein de la manière dont il formule les choses, mais je trouve que la manière dont il est banni de la cité devrait nous interroger. Je suis pour une conception extrêmement large du débat public et de la liberté d'expression. Gilles Bastier, ça m'intéresse, parce que vous êtes au Figaro, vous vous occupez de ces rubriques idées et culturelles, etc. Qu'est-ce que vous avez pensé d'un manifeste d'écrivain contre Richard Millet ? Rappelez qu'Annie Ernaux a lancé une pétition, ont signé énormément d'écrivains, pour l'éloignement ou l'exil de Richard Millet. Et d'ailleurs, il y avait même eu dans le Canard Enchaîné, je crois, ils avaient publié la liste des gens qui n'avaient pas signé. Ah oui, d'accord. Ça allait encore plus loin, c'est-à-dire qu'il fallait non seulement signer, mais on avait rendu public les gens qui n'avaient pas signé. Non, mais c'est ça. Je suis absolument contre. Alors, en plus, en littérature, où à mon avis, on devrait encore plus avoir de la liberté de mettre en scène, il faut pouvoir s'exposer à la critique. Alors, évidemment, il y a des limites au débat public, la diffamation, l'injure, l'appel à la haine, l'appel à la violence, évidemment, mais aujourd'hui, moi, je pense qu'on subit une véritable restriction de la liberté d'expression et donc de la liberté de penser, parce que moi, je défends la liberté d'expression pour la liberté d'expression, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Dire les choses pour dire les choses, c'est juste non, on le fait au bistrot, ça. Voilà. Je pense que la liberté d'expression, elle est utile pour pouvoir penser, parce que quand on a toutes les données sur la table, qu'on a tous les arguments sur la table, eh bien, on peut petit à petit tâtonner par confrontation et arriver à la vérité. Je pense
qu'il y a une tentation de radicalisation, notamment de la gauche qui est en train de perdre son monopole idéologique sur plein de sujets et qui, faute de pouvoir convaincre les gens rationnellement par des arguments, eh bien, fausse le débat public en chassant les idées qui gagnent du terrain parce qu'elles sont vraies et elles chassent du débat public pour pouvoir rester dans ce monopole de débat idéologique. D'ailleurs, vous parlez de ce point de vue des... Enfin, non pas les transfuges, mais quand vous parlez de Finkel Kraut ou de Michel Onfray, ou de Michel Houellebecq, ou d'autres, les deux Michel dont vous parlez, vous parlez des gens qui se considèrent toujours à gauche, mais en fait, que les autres, enfin, que leurs adversaires, considèrent comme étant totalement passés à droite et ayant trahi leurs idéaux. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est pas nouveau, hein, puisque ça date déjà de 2002, le fameux livre de Daniel Lindenberg qui s'appelait « Le rappel à l'ordre », où il faisait la liste des réactionnaires, des néo-réactionnaires qui, selon lui, avaient dévié du débat public. Il parlait de Finkielkraut, il mettait aussi Pierre Manant dedans, il mettait Marcel Gauchet, il mettait bien sûr Houellebecq dans cette liste. Et ça a commencé, en fait, je pense, cette logique d'une certaine gauche qui, plutôt que de débattre les sujets dont s'emparaient ces intellectuels, notamment la question de l'islam, la question de l'immigration, eh bien, ont voulu leur dire si vous avez dérivé, c'est vous qui avez dérivé, plutôt que, alors que je pense qu'au contraire, ce sont des intellectuels qui ont su voir ce qu'il fallait voir et mettre à jour d'ailleurs leur logiciel intellectuel face à des nouvelles menaces. C'est-à-dire qu'ils ont su voir effectivement la montée de l'islamisme dès 89 et l'affaire du voile de Creil. Ils ont su voir la question de l'immigration et des problèmes qu'elle posait assez tôt et ils ont été frappés de ce racisme et de bannissement par une certaine gauche. Et c'est vrai que c'est assez intéressant de voir ce que Jacques Julliard, qui est mort il y a un peu plus d'un mois maintenant, Jacques Julliard appelait ça le tiers parti intellectuel. Il disait que ce sont ces gens de gauche qui ne se reconnaissent plus dans la gauche telle qu'elle existe aujourd'hui. Alors, Eugénie Bastier, quand on lit votre livre, on se dit, vous êtes pessimiste ou optimiste avec ce combat, avec tout ce qu'on a décrit, l'assignation à résidence et autres? Est-ce que vous pensez qu'au fond, ce parti a déjà gagné la guerre ou aucune guerre n'est gagnée et je pense comme Bernanos que être optimiste ou être pessimiste, c'est de voir ne pas voir le réel, et qu'un optimiste c'est un imbécile heureux, un pessimiste un imbécile malheureux. Vous n'êtes ni imbécile ni heureuse ni malheureuse, c'est ça. Donc moi je suis plutôt réaliste, je pense que aujourd'hui il est en train de se passer quelque chose de très important dans le domaine des idées. Que effectivement on est passé il y a un retour de balancier évidemment. On est passé d'une espèce de progressisme illimité qui envoyait balancer tous les héritages, toutes les limites à la condition humaine, toute forme d'autorité, et on allait trop loin dans ce sens-là, grosso modo depuis mai 68. Et qu'aujourd'hui, il y a une appétence, en tout cas, pour un retour des limites, un retour de l'ordre, un retour de l'autorité, un retour d'une maîtrise. De la transmission, etc. Ouais. Donc, effectivement, oui, dans ce point de vue-là, les choses sont en train de changer. On peut pas nier quand même que, par exemple, en tout cas, dans les discours, dans les faits, est-ce qu'il est pas trop tard? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur les discours, sur l'école, on n'a plus le discours gnangnang des années 80, 90 sur le pédagogisme, etc. Aujourd'hui, on veut réapprendre aux enfants à lire, écrire, compter. On veut peut-être même remettre l'uniforme à l'école. C'est très populaire d'ailleurs chez les Français. Donc, je pense qu'il y a quand même. On va pas apprendre par cœur. Ça viendra peut-être. Non, mais c'est vrai qu'il y a un phénomène d'inertie des politiques publiques qui est quand même assez hallucinant, notamment sur la question migratoire. Parce que aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un consensus dans le débat public sur l'idée qu'il faut maîtriser les frontières et que l'immigration, n'est pas une chance absolue pour les démocraties occidentales. Et puis jusqu'où? Comment on contrôle? Voilà. Mais la question, c'est le retard, l'inertie que ça prend dans le débat public, parce qu'on est déjà très 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 en retard. Et de ce point de vue-là, les démocraties du nord de l'Europe sont beaucoup plus pragmatiques. Et quand elles ont compris qu'un truc marchait pas, elles changent le politique publique à 180 degrés très rapidement. Mais nous, on n'est pas dans le pragmatisme. pas vraiment. En tout cas, Esteban, je crois que nous avons... Ouais, ça fait réagir. On a Christophe au 0826-300-300 qui nous appelle depuis Angers. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour. Bonjour André, bonjour Madame Bastier. Moi je suis assez d'accord avec ce que vous dites, Madame Bastier, sauf que à une exception, il y a me semble-t-il, une contradiction majeure, presque insurmontable. On ne peut pas être conservateur sans être anticapitaliste. Le capitalisme, c'est la révolution permanente. Donc,
et le progressisme, la déconstruction, il y a cette forme de capitalisme. Or, la droite, eh bien, elle adhère au capitalisme. Elle s'y plonge, elle s'y repaie. Donc, pour moi, avec tout le respect que je vous dois, à un conservatisme souvent talentueux, il y a un effet de manche ou une tromperie. Voilà. Alors, espérance ou tromperie, oui. Contradiction, non, écoutez, contradiction. Je suis assez d'accord avec vous. Et moi, d'ailleurs, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué, c'est Jean-Claude Michéa, qui explique très bien qu'il rappelle sans cesse que Marx écrivait que le capitalisme est révolutionnaire et qu'effectivement, le capitalisme, en détruisant les traditions, fait avancer le marché. Le marché et le droit sont des substituts aux communautés locales, aux traditions, etc. Et moins il y a de traditions, plus il y a de marché. Et d'ailleurs, c'est la gauche aussi est prise dans cette contradiction, puisqu'elle veut faire avancer le libéralisme culturel tout en prétendant combattre le libéralisme économique. Et moi, je suis assez d'accord avec ça, évidemment, même si je suis quand même un peu moins sévère que Michel, dans le sens où je crois quand même à la liberté d'entreprendre. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, le capitalisme doit être, devrait être rationalisé, devrait être limité dans beaucoup d'endroits, notamment chez les grands GAFAM, les grandes entreprises du numérique qui aujourd'hui sont plus fortes que les États. Donc je pense effectivement, moi je suis pas du tout pour un capitalisme sans limites, sans frontières, et j'ai totalement conscience de la contradiction que vous pointez, et donc je me définirais pas comme une conservatrice capitaliste, bien au contraire. Je pense dans la lignée d'ailleurs de Peggy, de Bernanos, qu'on a besoin de critiquer le marché sur beaucoup de sujets. Alors racinement, Christophe, vous voulez ajouter quelque chose? Christophe? Ah, il a coupé, ok. On a Safia qui nous appelle depuis La Courneuve. Bonjour Safia. Safia, bonjour. Bonjour mon grand ami. Bonjour cher Safia. Oui, on ne vous entendait plus ces temps-ci et je me disais, mais où est Safia? Quelle est-elle devenue? Non, quand vous avez fait le clin d'œil par rapport à notre grande amie Yaël, vous savez que moi j'ai plutôt, je suis typiquement analyste et que dans les lectures de ce qui nous arrive sur le plan sociétal et la grande marche qu'on nous a fait, qu'on a revendiqué comme un grand succès, moi je me positionne de manière assez, dans les profondeurs du pays et sur la réalité de la fracture du pays. Pardon ? Oui, je vous écoute, on vous écoute, Safia. Allez-y. Voilà, et donc par rapport à tout ça, c'est vrai que quand vous avez mis l'espèce Yaël qui nous expliquait, et comme disait si bien Eugénie, qu'elle s'était réfugiée ressenti à elle, oui, bien sûr. Ouais, son petit ressenti, etc. Elle est typiquement très macronienne, elle est stratège, elle est politicienne, bon, ça c'est un fait accompli. Et après, de l'autre côté, la situation d'explosion et de dysfonctionnement de la société, il y a une réalité qui est très profonde. Et donc, le staff politicien en place, enfin, moi, hier, j'ai eu l'impression que c'était un peu une marche qui était du bloc élitaire, du bloc macroniste en place. Vous avez l'impression d'une marche macroniste élitaire, qui représentait ce qui représentait, voilà. Non mais pas les filles, hein. Après moi personnellement, je suis quelqu'un de très structuré intellectuellement parlant. Je connais tous les ressorts et le fonctionnement des stratégies de communication et tout ce qui s'ensuit. Et j'apprécie aussi beaucoup. Toute la colonne vertébrale de nos grands chroniqueurs de presse D'accord. Mais Safia, ça m'intéresse juste un mot d'avoir la réaction de Génie Bastier en disant cette marche, effectivement, au-delà de ce qu'on peut penser en bien ou en moins bien, est-ce que c'était une marche en fait pour vous, Génie Bastier, plutôt macroniste élitaire, ça veut dire c'était oui, je vois très bien. Voilà.
Moi, je pense qu'il ne faut pas avoir la lutte des classes ou la lutte des politiques partout, qu'il y a aussi des moments qui rassemblent au-delà de ça. Mais effectivement, moi, ce qui me gênerait un peu, c'est que cette marche ne soit pas suivie d'effet, qu'elle soit simplement... Vous savez, les anglo-saxons ont une expression que j'aime beaucoup, qui est le virtuous signaling, le signalement vertueux. C'est-à-dire, on montre qu'on est contre l'antisémitisme, on montre qu'on est contre le racisme, mais qu'est-ce qu'on fait ? Si c'est pour ne pas nommer le réel ensuite, si c'est pour ne pas prendre des mesures spécifiques, si c'est pour, notamment sur la question d'antisémitisme, dire qu'on déteste l'antisémitisme aujourd'hui, mais qu'on continue d'accueillir par centaines de milliers par an des populations qui effectivement viennent de pays où cet antisémitisme est dans la culture, eh bien on est complètement dans la contradiction. Donc à un moment, il faut aussi prendre... Enfin, on peut pas tout simplement dénoncer un antisémitisme éthéré qui serait une sorte de menace éternelle qui reviendrait sans concrètement agir. Et ça, c'est ce qui me désole un peu dans le débat public, et c'est la même chose d'ailleurs sur le féminisme. Il ne faut pas dire le patriarcat est méchant, sans agir concrètement sur les femmes, sur ce qui les menace aujourd'hui. On le fait, ça, quand même, on le fait. On agit, mais on est aussi dans des grandes dénonciations globales, abstraites, plutôt que dans des réponses concrètes et politiques. D'accord. On va remercier Safia et on va continuer à prendre vos appels dans un instant après cette courte pause au 0826 300 300. À tout de suite. 16h46 sur Sud Radio, dernière ligne droite avec Eugénie Bastier qui est aujourd'hui notre invitée du jour pour ce face-à-face qui vient nous voir pour ce nouveau livre, La dictature des ressentis, sauver la liberté de penser. C'est aux éditions Plomb et on a Stéphane qui nous appelle depuis le Lot-et-Garonne. Bonjour Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour André, bonjour Madame Bastier. Déjà un petit mot concernant ce qui a été dit avec l'auditrice précédente. Je pense que c'est une manif élitaire. Il suffit de voir qui tenait la banderole. D'ailleurs, heureusement que la banderole n'était pas plus haute, sinon on ne voyait pas Sarkozy. Voilà, donc ça, ceci dit... Vous êtes méchant, Stéphane, vous êtes méchant. les faits sont cruels, André. Ma question, André, Madame Bastier, on a vu qu'à l'occasion de l'organisation de cette manifestation, qui a eu beaucoup d'atermoiements, de tergiversations, ça tournait beaucoup autour du fait que est-ce qu'on doit accepter le RN ou pas. Le RN s'est manifestement positionné très tôt, d'après ce que j'ai pu constater, en disant « nous, on viendra ». Ils ont fini de se normaliser, donc je pense qu'il y a une certaine forme d'objectif atteint pour Marine Le Pen. Est-ce que Marine Le Pen aurait achevé par là, quelque part, l'objectif de dédiabolisation dont on parle si souvent? Ça, c'est la première question pour Madame Bastier. Et puis, du coup, cette caste dirigeante qui a besoin d'un épouvantail en permanence, qui est souvent l'antisémite, se retrouve contrainte à en chercher un autre, et parce qu'elle ne sait pas fonctionner autrement. Et du coup, Mélenchon fait parfaitement le job. Mélenchon a remplacé Marine Le Pen, c'est ça que vous voulez dire? C'est ça. Et du coup, lui, ça, quelque part, dans ses calculs, ne serait-ce pas un moyen de se garantir une seconde place, enfin une place au second tour des prochaines présidentielles. C'est bien. Ça, c'est une question très politique, mais c'est bien, Stéphane. Alors, Eugénie, est-ce que c'est la phase ultime de la dédiabolisation de Marine Le Pen? Oui, en tout cas, je pense qu'il y a quand même quelque chose qui s'est passé d'important. Notamment, je l'ai dit, le fait que Serge Klarsfeld dise que Marine Le Pen n'est plus antisémite, qu'elle soit présente à la manifestation, en dépit, évidemment, de toutes les polémiques. Mais on voit bien que là, c'est un théâtre qui est vidé de sa substance. Enfin, c'était déjà un théâtre en 2002. Mais là, c'est un théâtre vraiment. On est même dans la virtualisation totale. En revanche, oui, sur Jean-Luc Mélenchon, effectivement, moi, je pense que il peut pas y avoir deux diables à la fois dans la République. C'est-à-dire qu'on peut pas, il peut pas y avoir, comme le voudraient les macronistes, à la fois le diable d'extrême droite et le diable d'extrême gauche. Et on voit bien que Jean-Luc Mélenchon est en train, mais aussi parce qu'il l'aide lui-même à sa propre diabolisation. C'est-à-dire que Marine Le Pen est dans la dédiabolisation, lui, il est dans l'auto-diabolisation puisqu'il fait tout pour effectivement être diabolisé. Il multiplie les outrances, les provocations, les dérapages. Stéphane dit, et pour être au second tour, comme ça. Mais je pense qu'il y a, et en effet, et moi d'ailleurs je mets en garde justement le système médiatique contre la diabolisation, y compris de Jean-Luc Mélenchon. Moi je ne suis pas du tout pour qu'on traite Jean-Luc Mélenchon comme le diable de la République. Il faut le critiquer pas à pas sur ses propositions. Et d'ailleurs je ne pense pas qu'il soit antisémite. Il a certainement tenu des propos très ambigus et il par calcul... Il attise effectivement peut-être une forme d'antisémitisme, mais est-ce qu'il l'est lui-même? Je ne le crois pas, en tout cas. Il y a une très bonne dose d'électoralisme là-dedans.
Et en tout cas, je pense que la diabolisation n'est pas bonne en politique, en réalité. C'est vraiment le signe d'une infantilisation de notre vie publique, sans cesse besoin d'avoir effectivement un grand épouvantail. Moi, je suis pour la critique, le débat rationnel, sans cette espèce de vision de la politique comme exorcisme. C'est-à-dire, on va faire le front républicain contre les extrêmes, avec des gousses d'ail pour éloigner le mal. Non, je crois qu'on fait pas de la politique avec des gousses d'ail et qu'on doit pouvoir parler avec tout le monde, y compris même si c'est très clivant. C'est intéressant quand même, juste un mot, Ginny Bastier, et même Elisabeth Borne, la première ministre, a dit oui, nous, les postures, c'est le RN d'un côté et Mélenchon de l'autre, nous, on n'est pas ça. C'est-à-dire que même les organisateurs disaient, attention, oui, on fait la manifestation, on peut pas leur interdire, mais c'est pas nous, hein. Attention, oui, c'est ça. Pas des rétro-satanas. Non, mais de toute façon, il y a l'extrémicide est nécessaire à la bonne conduite démocratique. On a besoin d'être au milieu, le cercle de la raison, etc. Après, c'est de la politique, quoi. Enfin, c'est une stratégie politique comme une autre. Cependant, je constate, à mon avis, que, enfin, Jean-Luc Mélenchon, dans cette stratégie d'auto-diabolisation, de conflictualisation permanente, il se marginalise lui-même de la vie publique. Alors, est-ce que c'est un calcul parce qu'il veut s'asseoir comme ça un matelas devenir le vote anti-système en réalité, parce qu'il n'est pas à la manifestation, tout le système est à la manifestation, donc il est le vote anti-système. Je ne pense pas que ce soit un bon calcul, parce que même s'il arrive un jour au second tour de la présidentielle, il sera écrasé. Ça, c'est probable, en tout cas, oui. On va remercier Stéphane et on accueille Philippe depuis Caen. Bonjour Philippe. Bonjour Philippe. Oui, bonjour André, bonjour Madame Bastier. Alors là, je vais mettre les pieds dans le plat. Madame Bourgogne-Pivet, la direction ou objection, je vais l'aider. D'accord. Pour moi, tous les partis de gauche confondus sont à la fois collaborationnistes et autres. La France parle français. Par contre, si vous avez de quoi noter, André et Madame Bastier, je vous recommande de vous connecter à la Ligue de l'enseignement, la Fiche 122. Où vous voyez que Tariq Ramadan a professé de 97 à 2000, qu'il a été reçu par de nombreux journalistes, Laurent Ruquier, Georges Moati, France, Olivier Gelsberg, oui, à l'époque, oui. Et compagnie. Donc, tout ça, je pense que Madame Pivet, si elle a quelques petits soucis, sans rappeler, c'est un scandale, mais flagrant, parce que la Ligue de l'enseignement, je vous rappelle, André, oui. C'est ce qui est dilué, c'est ce qui est instillé par sa structure, par nos enseignants. Donc là, il y a un vrai problème. Oui, enfin le problème est... Non mais Philippe, le problème est général et il est posé, par contre, effectivement. Je compte sur vous, André, parce que je sais que vous êtes quelqu'un, c'est d'aller voir la fiche numéro 122. La fiche de... La fiche numéro 122 de la Ligue de l'enseignement. La fiche numéro 122. Eh bien, écoutez, on la regardera et même on la montrera. Merci. Merci. Eugénie Bastier, je voudrais peut-être conclure cette émission. Au fond, on pourrait se demander, et c'est très important, je crois que la discussion, enfin, c'est pas moi qui allais vous dire que la discussion intellectuelle et que les débats intellectuels ne sont pas fondamentaux. Mais on a l'impression aujourd'hui, alors là, c'est encore une fois, je parle d'un temps que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître, on a l'impression quand même que, même ces polémiques, vous voyez, vous parliez de polémiques sur les réactionnaires, les nouveaux réactionnaires, c'était il y a 20 ans, on a l'impression quand même que ça a perdu énormément d'intensité. On a l'impression que, quelque part, non pas que ça intéresse, peut-être ça intéresse sûrement beaucoup de gens, mais que ce n'est plus au cœur de ce qu'était le moteur France, enfin le moteur France intellectuel, c'était vraiment... C'est-à-dire, si on regarde Saint-Germain-des-Prés, si on regarde Sartre, Camus, Malraux et compagnie, on a l'impression aujourd'hui, je ne dis pas qu'il n'y a que des nains, ce serait idiot et puis caricatural, mais qu'est-ce qui fait que cette perte d'intérêt pour ça, c'est...
C'est évident, bien sûr. Il y a une. La France a toujours été la patrie des intellectuels. Tocqueville l'écrivait déjà en disant la Révolution française a été faite par des intellectuels. C'est un pays où effectivement, par des écrivains. Il disait les écrivains ont fait la Révolution française en réalité par leurs écrits. La puissance du verbe, de l'idée, du mot en France est plus que dans n'importe quel autre pays. Et importante. Le mot intellectuel est né chez Dreyfus. Bien sûr, évidemment. Après, il y a l'affaire Dreyfus, etc. Donc, on a toujours eu ce rôle du débat d'idées qui fait changer les choses, changer l'histoire. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est moins le cas. Moi, j'y vois plusieurs raisons. D'abord, comme l'a très bien montré Régis Debray, c'est le passage de la graphosphère à la vidéosphère, c'est-à-dire du livre à l'image. Aujourd'hui, effectivement, le règne de l'image fait que la parole, l'écrit, le livre, qui était quand même l'outil de l'intellectuel pour exprimer des idées dans la nuance, dans la longueur, dans la raison, enfin dans l'abstraction, tout ça a disparu au profit effectivement de l'image, de l'émotion, de l'immédiateté. Du tweet et de TikTok. Voilà, TikTok, effectivement, c'est une succession d'images et d'émotions. Et effectivement, c'est très difficile d'avoir un débat là-dessus. Et on le voit très bien à l'occasion du conflit israélo-palestinien, où tout disparaît sous les images. Toute volonté d'argumenter, d'avoir un débat sur le conflit disparaît à travers les tombereaux d'images, effectivement, qui sont d'ailleurs des images abominables, il faut le dire, mais qui, effectivement, remplacent le débat. Et donc, il y a aussi un écosystème technologique, j'allais dire presque, qui est là et qui nous empêche de réfléchir parce que l'économie de l'attention nous aspire toute notre attention sur les réseaux sociaux, sur le défilé des vidéos, etc. Et moi, je suis très inquiète parce qu'effectivement, je pense qu'un monde où ne règne que l'émotion et les images est un monde moins intelligent, forcément, et puis d'ailleurs plus propice à la manipulation des foules, des masses, des instincts par des forces organisées. Et donc je suis très inquiète. Je pense qu'il faut justement se battre pour réintroduire du débat, de l'argumentation, de la raison dans un monde où il y en a de moins en moins. Et c'est pour ça que votre livre y contribue et que je le recommande, La dictature des ressentis. Merci. Merci André Berker. C'est aux éditions Plan et c'est disponible en librairie. Eugénie Bastien, on vous lit aussi dans le Figaro et on vous regarde sur le Figaro Live tout de suite. C'est Brigitte.